De retour aujourd'hui pour cette nouvelle série sur Homme de Total War dans laquelle nous allons jouer avec les Jets, ma faction, comment on appelle ça? Comment je pourrais dire? Ma faction poisseuse. Entre crash, bug, trucs chelous qui font que d'un coup tout le monde me déclare la guerre, j'ai toujours eu du mal avec. Enfin, j'ai lancé deux, trois fois des parties sur cette faction, mais que je n'ai jamais terminé. Aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui est une partie neuve, et pas la partie comme la faction. Hein? Ça, c'est déjà fait. Parce que tout simplement, ça fait partie des deux factions avec lesquelles je dois encore terminer le succès. Enfin, je dois terminer la partie pour avoir un maximum de succès. Donc on va lancer, et pendant que ça lance, en parlant de lancer, non, de succès, vous savez, je regardais là, et je me disais, il y a un truc chelou, c'est que j'ai X heures de jeu, attendez, je vais vous dire combien d'heures de jeu j'ai dessus, 3257,2, et là je me disais, c'est bizarre, le succès. Aléa Jactaes, prenez part à une guerre civile, je ne l'ai pas. 3257,2 heures. Et je sais pas. C'est bizarre. Pourtant, j'ai fait des sécessions. Enfin, j'étais dans plein de sécessions. Mais non. Et en fait, là, on voit, on est protégé des guerre de sécession et civile. Et bon, j'ai essayé de me renseigner un peu. J'ai essayé, attention. De ce que j'ai compris, y a plusieurs, on va dire, possibilités. Soit, là, quand on aura un Imperium plus grand, on aura plus de parties, et ben, soit plusieurs parties d'un coup ont une loyauté faible et peuvent faire une sécession, ce qui fait que ça ouvre la possibilité d'une guerre civile. Soit on a déjà une sécession, on a les 10 tours de protection, on n'a plus les 10 tours de protection, mais la sécession est encore là, et on refait une sécession avec une autre faction. Donc c'est ce qu'on essaiera de faire également, un moment ou un autre dans cette partie, mais plus tard. Alors voyons voir, j'ai la dynastie Jett. Ok, ça on jette. Oui, bah à mon avis, ça va finir les jeux de mots là-dessus. Hein. Ça en jette, machin, truc comme ça. On va pas y chercher beaucoup plus loin. Voyons voir. On est allié avec les Apuliens. Et à mon avis, je vais aller chercher les Bastarnes. On va faire ça. Donc, toi, allez, va entraîner Tabus. Toi, tu vas recruter. Oh! Un de nourriture volée en plus. J'aime beaucoup ce que tu nous fais là, mon ami. Hop, on déverrouille quelques unités. J'ai pas de frondeur. Sérieux? J'ai pas de frondeur. Bon, on va prendre des tirailleurs. Et ouais, bon, premier objectif, on va prendre Petrodava comme ça. On va être sûr d'avoir le droit de passage pour Musique et Tusa. Ouais, quoi que, je suis en train de me dire en vrai de vrai. Vu notre expérience dans notre partie avec la partie. Il dit comme ça, c'est bizarre, mais tout à l'heure, peut-être pas plus mal de prendre son territoire à lui, hein? Franchement, entre nous, entre vous et moi, j'y vois un intérêt certain.
Hop, par contre, niveau revenu, c'est pas terrible, hein. J'ai de la bouffe, mais le reste compliqué, hein. Alliance défensive, accord commercial. Allez, ça, j'accepte. Je veux bien. Dans toute ma bonté. Hop, deux soldats avec Falx. Falx. Je sais pas. Voilà, ça meurt de faim, c'est très très bien. Il gagne 666 d'or par tour. Ça s'invente pas ce genre de choses. Hein. Ça s'invente pas. Plus tard. Plus tard, laisse-moi juste prendre près trop d'avant avant. Qui d'ailleurs sera assez chiant à défendre, mais bon. C'est un sacrifice nécessaire, entre guillemets. J'ai bien le droit d'accès. Hein? Ouais, quand même, si tôt, ça m'aurait fait. Ça m'aurait un peu étonné. Hop là. Quand même se méfier de ces Vindun. Ils pourraient très vite se dire: Ah, ils sont pas chez eux, attends, on va y aller. On les connaît, les bots. Hein. On commence un tout petit peu à savoir comment ils réagissent. Dire. J'étais en train de me dire quoi? Oui. C'est que là, vu que j'ai tapé sur des gens qui n'aimaient pas, ça se trouve, lui, il a ma prénom. Rien à foutre. Je me suis dit, bah, on a eu un ennemi commun, on peut être copain. Non. Bon, d'accord. Allez, barde. Là, ce qui est bien, c'est que l'ordre public, il est bon du fait qu'on ait la même culture. Bon, il est à zéro, mais c'est normal. On reste quand même prise. Ah si, c'est ça. Alors attendez. Ouais, moins 18 instabilité. C'est ça. Au niveau des objectifs. Ouais, raser ou mettre à sac. Ouais. C'est bien ce que je me disais. Hop, là, on va aller chercher. Ce territoire, on va leur redonner fait. Est-ce qu'il... Oh. Ok. Un d'ordre public. Ouais, ça augmente. Bon, dans tous les cas, dans tous les cas, on va leur donner... J'ai rien pour les bâtiments agricoles, là? Ah, si. Le bois de Derzelas. Très bien. Et là, non, c'est pas là. C'est pas là non plus. C'est là? Ah non. Bon, un peu de peau. Il y a une merveille naturelle par ici. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des pics. C'est des montagnes à pic, je crois.
Je suppose que ça amène un petit peu d'ordre public. Mais je peux pas le confirmer. Ça doit être Azami Zegetusa. Il me semble que c'est vraiment dans le coin. Hop. Toc. Ouais, je dégage pas un énorme surplus en argent. J'étais à 666, je suis descendu à 613. Bon, sûrement dû à la baisse de l'ordre public. Là, ils étaient malades, ils sont plus malades par contre. Ça a peut-être profité aux éravistes. CD, ça change pas. Moi, ça avance tranquillou. Moins 5 d'ordre public, ça va. Par contre, il y a un monde dans lequel je me fais attaquer là. Alors que je sois méfiant et je garde toujours un peu d'or de côté pour recruter des troupes de mercenaires. Hop, alors attendez, pendant le passage de tour. Excusez-moi, c'est juste j'entends un bruit chelou, désagréable. Ok, ça meurt de faim. Ouais, si, allez hop. Coucou les gars, c'est l'hiver. Ah merde, si c'est l'hiver, ça veut dire que. Ah, ça va, l'ordre public est pas dégueu. Alors on va quand même défendre au cas où. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de garnison. Allez, vole-moi de la bouffe. Hein. Je vais essayer de prendre l'entièreté de cette province. Elle est assez riche en soins. Avec du fer ici. La nourriture là, je crois. Voilà, 140, mais pour ce qu'il aura subi en perte, je veux bien les perdre mes 140 hommes. J'y gagne au change. Combien de tours avant que ça tombe? Deux? Ah ouais, quand même. Allez. On va... Papier. On va piller rasé, hein. Hop, et un saint sacré. Ensuite, on va aller sur ces Gestica. On va foutre un peu le brin ici, par contre. Hein. Taux de recherche, c'est bien ça. C'est quoi ça? Ouais, portée de campagne, j'aime bien. Y'a pas porté de campagne. J'ai... Oui, c'était pas loin.
Ok, ça c'est le champion qui prend un niveau. Ma direction laser à vis. Oh les gars. Ma question est la suivante. Pourquoi chez moi? Non, sérieux, pourquoi? Enfin. Je sais pas, je comprends pas. Un moment, c'est pas bien. Je vais te taper sur les doigts. Bon, lui, il atteindra jamais sa majorité, hein. C'est une triste réalité. Avec le mode de jeu 12 tours par an. Ils sont jamais majeurs. Soit il meurt avant de. Il meurt avant. Voilà, la partie ne dure pas assez longtemps. Non, mais par contre, sérieusement, tu fais vraiment le siège là? Donné perdant, faut pas déconner. Hein. Je suis donné perdant. N'importe quoi. Non, mais pourquoi pas après tout. Bah, c'est pas comme s'il avait des unités de merde, quoi. Pas comme si j'avais quelques unités un peu sympas, quand même. Des Falx. La garnison, enfin tout ça, quoi. Un tour avant édition, putain. Alors je vais pas construire, je vais garder des thunes. Et sinon, c'est quand tu veux que tu te réveilles, toi? Va mettre un cible de guerre, on va mettre ça là. Peut-être que ça va les faire venir. C'est que je pense pas que je sois assez rapide pour aller chercher de Malva 6 Gidune en un tour. Un grand incendie, bah super. Si je suis assez rapide, mais ah, je suis plus assez rapide, terrible. Soit ça crame, déjà, c'est cool. Oh putain. Moins 4423, yes. Bon, bah c'est une belle connerie que j'ai fait moi ici. Hein. Bon, on va faire quelque chose. C'est que toi, le roi, là. On va te remplacer par un random. Voilà, comme ça, mon roi. Il ne craint rien. Là, je vais la jouer manuellement et je vais essayer de lui faire un maximum de pertes. En vrai. Elle est gagnable. Moi, bon, j'ai eu plus de pertes dues à l'usure. Ça, par contre, un peu chiant. J'ai plus d'unités à la distance. J'ai un peu de cavalerie. Donc là, mon but, on va plus super. Donc là, mon but, c'est bah déjà d'attendre les renforts. D'attendre les renforts, de choper le corps à corps et. Sur les flancs, aller chercher ces unités. Je vais mettre ma cavalerie là. S'il est pas con, il va chercher à tout prix à venir. Ouais, bon, les renforts, pas terrible. Hein. Je pensais que j'en aurais un peu plus. Voir ce qu'il va faire.
Il décale pas mal sur le côté. Ouais, je vais décaler sur le côté aussi. Hop, sauf que moi la cavalerie. Ok, il a annulé son déplacement. Mettre un écran de bouclier quand même, faut pas déconner. Hop. Il avait pas des unités d'archers de rondeur. Ah ouais, d'accord. Hop, je vais avancer ces unités là et ces unités là. Là, je fais charger ma cavalerie. Hein? On a déjà perdu le centre. Ah ouais, comme ça, genre. Ah bah d'accord, bon. Bah les Falx, pas terrible. Hein. Les Falx, clairement pas terrible. Hein. J'aurais connu mieux comme unité. Hein. Bah les gars, qu'est-ce que vous nous avez fait là? Hein, oh, mais ils sont pris une branlée. C'est quoi le délire? What? Pardon? Alors je veux bien que vous ayez pas d'armure, mais quand même. Voilà, prends les que je me suis pris, c'est terrible. Ouais, je pensais pas. Hein. Hop, retournez-vous, on va voir leur ville qui va s'ébranler. Bon, j'ai bien fait de changer de général, moi. Bon, allez les aider là-bas. Pas très efficace vos projectiles les gars. Ils en tuent pas, c'est quoi le délire là? Ah, ça reste quand même des javelots hein. J'aurais aimé être prévenu si vous balanciez de la merde. Mais bon. Hop là, on va reculer, on va réattaquer. Bon, on lui aura fait un peu de perte, mais bon, pas terrible quoi. Heureusement, j'ai mon général qui tient à peu près. Va pas la porter là. Ah bon? Bon là, quand même. C'est parce que je suis en garde. Oh là là, ça s'arrêtait juste devant, j'étais en mode garde. C'est bon là, ça tombe? Ouais. On ne tire pas. Mais tu es, tu es, tu es. Nous leur percerons le cœur.
On a pas l'avantage. On a l'avantage numérique, mais c'est un fort avantage. Alors, constitution, plus une unité à distance, ils vont nous faire mal. On va avoir mal. Bon là j'ai un avantage. C'est que attaquer par l'arrière, ils aiment pas trop. Là ils vont porter main forte. Mais ce qui fait que moi aussi je porte main forte. Là ils ont pas été malins. Ah, quoi que ça va jouer là. Ouais. Ils ont peut-être été malins. Ouais, mes unités étaient trop fatiguées. Bon. Ils ont été malins. L'écran de bouclier, il est parti. Ah bien, hein, les gars, on veut plus d'écran de bouclier là. Bon, dommage. Bon, bah apparemment, les soldats avec le Falx, c'est pourri. Bah, je le saurais. Note à moi-même, prendre des guerriers lanciers dégueulasses. Parce que c'est mieux que des Falx. Non, moi qui pensais que c'était balèze, c'était. Parce que c'est quand même l'unité des Balkans par définition. Quand je vous dis, la campagne avec les jets se passe jamais bien. Jamais. Y a pas. Il n'y a pas une campagne où ça s'est bien passé avec les jets. Vraiment, c'est. On avait la preuve par A plus B. Bah oui, votre trésorerie vide, sans déconner. On se demande pourquoi. C'est une dinguerie. Non, non, je vous dis, la campagne avec les jets, c'est une dinguerie. Et à mon avis, c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. Bon là ils ont pris la ville, ils sont contents. Ils vont recevoir des renforts, mais on s'en fout parce qu'on avait tout à son choix. On a perdu un général, mais on s'en fout parce qu'on avait changé justement. Exprès ça. Bah oui. Je sais ce que je fais un minimum quand même. Ça a fait chier parce que bah, mes réparations sont parties dans le vent. Et là, je peux pas garder indéfiniment toutes ces unités de mercenaires. Ça va pas être possible. Lui, normalement, c'est à ce moment-là où il se réveille. En disant, bah super, on va ramasser les morceaux. Là, bah, qui viennent attaquer, on va rigoler un coup. Le problème étant que ma trésorerie est totalement vide. Oui, alors, on commence peut-être par faire un pack de non-agression. Hein? Bon, il est obligé de rentrer chez lui. Le souci étant, c'est qu'ils sont affamés. Bon là je peux rien faire. Là. Apparemment si. Je peux voler encore plus de nourriture. Voilà. Allez, on profite. De mercenaires là. Waouh.
Moins 53, ouais, bon bah je profite des mercenaires, mais j'en garde un peu aussi sous le coude. Je vais en garder 4 de ça. Bon, c'est déjà mieux. L'ordre public, il me fait peur. Hein. Il est pas qu'un peu. Hein. Où mon cochon? Ok, on va faire un logement des artisans ici et un puits. Waouh! Là, toi, je t'adopte. Ah. Toi aussi, voilà. Mon Dieu. Est-ce que je peux vous monter en niveau? Oui. Ils vont pas pouvoir se défendre beaucoup, hein. Ils sont pas beaucoup. Oh là là, terrible. Bon. Je peux même pas rétablir l'héritage de mon roi, là? C'est une... Quoi? Ah si, voilà. Au moins, histoire de dire, bon, c'est un minimum défendu, quoi. Ok. La rébellion est ici. Ça me va. Là où j'ai quelques troupes encore. Ah ouais, ah vraiment, en plus, c'est à moi de... Rien à foutre. On va faire quelques esclaves. Soir, ça nous rapporte sur le moyen terme. Qui est redevenu correct. Bon, pas longtemps, hein, à mon avis. Là, je vais les envoyer chez les Breuses car je sens qu'ils vont vite m'embêter. Hein. Pas pourquoi, j'ai comme un mauvais pressentiment. Ouais, mais ils m'aiment pas beaucoup. Hein. Tu m'étonnes. Bah, de toute façon, j'ai pas de thunes. J'ai aucune troupe. Hein. Je suis à poil. Donc là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Eh merde, j'ai parlé trop vite. Donc là, j'ai plus qu'un choix qui s'offre à moi. Bon, déjà, on va faire des lanciers parce qu'apparemment, c'est plus fort que des soldats avec Falx. Faut réfléchir à l'ennemi. Bah, non, 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 non. Ça fait rien du tout. Pourquoi faire ça? Ça, on va voir plus tard. Et ici, je vais vouloir y faire des non. En enclos, ça va être très bien. Oh là là, il y a Bulines là qui grandissent, j'aime pas ça. Un peu le bazar. Là, je préfère défendre un king qui n'a pas de mur. Bon, après, c'est Gesticker, il meurt de faim, donc... Ah, je serais eux, je serais sorti. Hein. Si j'étais eux, je serais sorti. Dalmat. Ils vont peut-être en profiter. C'est pas cool pour moi. Comme d'hab, on fait tout. Mais... On ramasse. Enfin, les autres viennent ramasser. Ce qu'on a fait, ils ont juste à se tendre. Comment on dit, ils ont juste à se pencher et pour ramasser, voilà, c'est ça, se pencher pour ramasser. Pacte de non-agression avec Audricia, oui.
Agression avec Darcy, non. Des rebelles en Pannonia, ça me va. Oui. Quoi? Quand je suis en guerre contre eux? C'est pas les Breuses? Hein? Mais quoi? Ouais, c'est passé un truc chelou, les gars. J'étais en guerre contre les Breuses, et là, d'un coup, je suis en guerre contre les Noirs. Quand je vous dis que cette partie, c'est... Ligette, ça n'a aucun sens. À quel point c'est la merde? Oh, bah là, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Bah ouais. Ça n'a aucun sens à quel point c'est la merde. Bon, ils sont beaucoup, ils sont pas beaucoup, ils sont pas des masses. Allez hop. En plus. J'ai vu que j'avais... Non, j'ai... Bah si, bah si, on va avoir une rébellion, sinon c'est pas drôle. Toi, tu vas être un général défensif, toi. Ouais, pas besoin de courage, je pense qu'Aking pourra se défendre un tour. Mamma mia. Ah. Oui. J'irai piller Noreya pour en apporter un peu d'argent. Il me semble que Noreya est une ville très riche et qu'à chaque fois que j'y vais et que je la pille, je me mets bien financièrement. Et comment ça, c'est pas gagné en automatique? Wouah, les gars! Chier. On est deux fois plus nombreux. Je veux bien qu'ils soient un peu entraînés, mais ça va, c'est pas des. Pas de l'élite non plus. C'est dingue. Ah putain, le placement est pas terrible ici par contre. Aïe, ça risque d'être compliqué en vrai. Le placement est vraiment pas terrible. Après derrière j'ai mes unités, lance projectile. J'ai une grosse perte mine de rien. Non, non, ne fuyez pas les gars, regardez derrière là, ça vient en renfort là. J'ai presque plus de munitions. Il est encore bien là.
Alors je vais attaquer là par l'arrière. Il a encore beaucoup de troupes. Hein. Aïe 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 aïe. C'est pas gagné. Hein. En plus si j'en ai un qui fuit, ça va être la merde partout. Allez, on arrive, tiens bon. Les attaquer par l'arrière là, ça va nous donner un bon avantage moral. Il a perdu pas mal de troupes sur son général. Putain, il se l'a vu. Oh là là, il a vraiment fui, quoi. Terrible. Je pensais pas qu'il fuirait comme ça, quoi. Bon. Mal barré. Je pensais vraiment pas que mon unité allait fuir. Bon, je me concentre sur celle-là. Je me concentre sur la supériorité numérique en fait. Trois unités qui sont prêtes à se barrer là. Si on a une qui se barre en plus, ça fait effet domino. Pourquoi ils attaquent pas là? Allez, voilà. Bon, c'est pas encore gagné. Tant que c'est pas gagné, je crierai pas victoire. C'est mon général qui se bat. Mon capitaine, enfin voilà. Oh là là. Bon, à Lamberne. Ah, c'est pas ce que je vois. Hein. Je vois mon moral en berne. Hein. Eh ben putain. C'est une galère sans nom cette. Cette faction. Ah là 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 là. Faction du. Faction du bordel. C'est. C'est une dinguerie. Hop, quelques esclaves. Bon, on va les chercher. Eux. Ah, vous m'avez bien cassé les. Hein? Toujours à moins 7. Faire ça. Si on va voler de la bouffe. Mamma mia. Mamma mia. Elle me demande de payer, c'est de pire en pire. Non. Bon alors là, va trincer. Alors tu peux trincer plutôt. Julien, Anart, Anna. Mais il est parti chercher où lui? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Tu veux pas m'aider plutôt? Une dinguerie. Alors. Est-ce que je peux faire du commerce? J'aurais bien aimé. Ah oui, c'est une nouvelle unité, ça. Mais eux aussi, elles sont plus chères. Pieds là-bas. Est-ce qu'il meurt de faim? Je sais pas, j'arrive pas à voir. J'espère. Est-ce que j'aurais bien pillé 3-4 fois au moins? Non, bon alors là.
Ah bah non, toi tu te fais bouffer, oh la City Royale. Je perds des voisins avec qui je m'entendais bien. Il meurt de faim, c'est très bien. Si je quitte là, on est bon. Ok. On recrute des unités un peu meilleures. Ah. Du moral. Oh, non, mais non, pas vous. Vous y mettez pas, s'il vous plaît. Déjà occupé. En plus, t'es pas déjà en train de te taper contre les Dalmates, hein? Les Dalmates, ils t'ont pas... Attends, quoi? C'est tout qui se passe mal. Je fais quoi? Je dis oui, je me fais attaquer sur Akink? On sait très bien que ça va finir comme ça. Je dis oui, je me fais attaquer sur Akink. J'en ai marre. Embuscade. C'est pas comme si j'avais le choix. Chier. C'est terrible. C'est terrible cette partie. J'en peux plus. Elle a pas commencé que j'en peux déjà plus, quoi. Oh là là. Quel bordel. Je vous jure. En fait, ceux qui veulent s'allier avec moi, c'est ceux avec qui je veux pas être allié. Bon, l'embuscade, elle a fonctionné. Et puis un coup là, et qu'est-ce que je peux faire ensuite? Déjà, je me suis fait 1000 d'or grâce à ça. Oh non. Oh non. Ça va être pour ma tronche encore aussi. Je le sens mal. De la peste. Hop, voilà, je fais juste ça parce que j'ai vu. Nous prenons cette colonie pour la tribu. Deux mille cent quatre-vingts, c'est tout? En général, c'est un peu plus quand même. Un peu déçu là. Pas vous le cacher, je suis un peu déçu. Je pensais que je pourrais piller un peu plus. Après, dans tous les cas, ça reste un bâtiment que je peux construire. Je suis éleveur de chevaux là, parce que ça se passe pas forcément terriblement bien, quoi. Bon, par contre, toi, t'assumes ta merde. Tu vas aller chercher. Les Bruce, ils sont en train de... Putain, ils se permettent d'envoyer leurs troupes là alors qu'ils sont en guerre avec les Dalmates. Ouais, j'ai un peu du mal avec... Avec la logique. Là, je vais les piller, les piller, les piller, les piller, les repiller tant que j'ai pas ce qu'il faut en or. Je vois les Apuliens. Ça y est, ils vont peut-être se bouger le fiac pour aller à Istros. Ce serait bien. Ça me permettrait de me. Oui, c'est bien.
permettrait d'être tranquille, moi, à ce niveau-là. Regarde. Ah, ils se privent pas, hein. Ils en ont un à Square. Ah bon, ils ont pas peur. Hein. À leur place, je serais pas serein. Ouais, c'est la faute du rival. C'est la faute de Régis, le rival. Ah. Bon. Je peux plus les piller. Je vais voir s'ils veulent faire la paix. Ils sont où? Oh, ils sont là. Ah! Par contre, je vais exiger un paiement. Hein. Là, je peux vous dire que... Voilà. 2500, tu me les auras bien payés, hein. Foiré. En effet, mourir de faim, c'est très bien. J'ai déjà forcé une paix. On a notre culture qui est dominante, c'est très bien. Pacte de non-agression. Oui. Il meurt de faim. Hop. Hop. Encore. Oui, faire un sacrifice. Malva. Un enclos. Besoin de bouffe. Hein. Surtout que toute cette province ne produira pas du tout. Ou alors si, mais très peu. Ah non, c'est bon. Laissez-moi tranquille. On est brisé. Et les seufs qui se ramènent en masse. Bon. Une embuscade, je pense pas qu'ils puissent attaquer un kink. J'irai les piller. Hein. Ah, je suis perdant en thune là. Sérieux? J'ai recruté tant que ça? Oh là là. Oh merde, il meurt plus de faim. Vous savez. Mais il s'arrête des fois comme ça, il fait... Ouais, non, non, après je suis en vacances, hop, pépère. Ah, là, mais lui, il est à l'étranger, il passe ses meilleures vacances, hein. À votre avis, comment on a inventé les vacances? Simplement mes espions, qui se barrent, qui arrêtent leur mission, quoi. On n'a rien à secouer, hein. Ah bah oui, mais bien évidemment que je vous aide les gars. Bien joué, et enfin un allié qui bouge son fiac. Hein. C'est magnifique. Bon. Niveau des pertes, c'est raisonnable, je relâche parce que... Faut pas déconner non plus. Il va prendre Noreya. C'est au plaisir. Il s'est fait poutrer. Bon.
vraiment. J'ai vraiment oublié de recruter. Oh bah non, c'est bon. J'ai tout fait pour la jouer en automatique. Y'en a marre. Namar, il veut pas la jouer au duel. Faites chier. Vous faites tous chier. Laissons-le battre en retraite devant nous. Surtout que moi, j'excelle dans les batailles défensives, pas les batailles offensives. Le brouillard ça m'arrange. Pourquoi? C'est rare ce que je dis. C'est très rare que je dise ça, en profitant. Parce que j'ai pas d'unité à distance, tout simplement. Voilà. Mon général, je vais peut-être pas trop le bouger. Hein. Hop, tout le monde court sauf la cavalerie. Ah, quoique, non, bah non, ils ont déjà toutes leurs troupes, donc non, on va juste mettre en accéléré. On avance sur une grosse ligne. Le but étant totalement les entourer. Hop, la cavalerie, vous serez gentil. Là, il se tourne, mais tourne-toi vers ma cavalerie là, qu'on rigole un coup, ça va te faire du bien. Hop, putain, ça fait 20 ans qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je comprends pas leur déplacement. Hein. Ça reste un mystère. Je veux que tout le monde court en direction de sa cible là. Avec la cavalerie derrière. Hop là, le but c'est que chacun est une cible. Et que ce que j'ai en surplus. On prenne une deuxième. Hop, la cavalerie derrière.
Voilà. Oh, genre, ça perd facilement, comme ça. Pourquoi toutes mes unités perdent en un contre un? Ah, c'est terrible. Je peux pas avoir ne serait-ce une unité qui gagne en un contre un, s'il vous plaît. Une seule, j'en demande pas 50, j'en demande une, quoi. Toutes mes unités perdent en un contre un. Même en un contre un, ça perd! Ah, c'est terrible. Non, mais là, au bout d'un moment, c'est bon. Il n'y a pas d'effort, quoi. Il n'y a aucun... 8! 8! Attendez. Attendez le ratio. Il a perdu 8 troupes. J'en ai perdu 134. Non, mais il n'y a pas d'effort. C'est quoi la différence? Il a, lui, pourquoi il a ça d'attaque? Pourquoi il a tout ça d'attaque? Bon, il n'y a aucun effort aussi. Je te dis, là, on est 2 contre 1. Les mecs, c'est des troupes légères. Il me fume des troupes moyennes. Je sais pas, il gagne. Il me fume. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Unité l'emporte. Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi. Mais tu m'étonnes. Là, à part être en... À part avoir des bonnes tactiques, et même pas. Ma tactique, elle est bonne, hein. C'est juste que, bah, effectivement, si mes troupes sont approximativement 7 à 8 fois moins fortes, bah, elles ne peuvent pas tenir une minute au contact. Là, ma troupe a à peine tenu une minute. En 1 contre 1. Bah, je suis désolé, mais... En effet, oui, j'ai perdu. Bien sûr que je perds en 1 contre 1 avec des stats. Enfin, je perds une bataille comme ça. Et si mes troupes, aucune de mes troupes ne gagne en 1 contre 1 ou ne peut même tenir plus de 3 secondes, quoi, enfin de 10 secondes. Je peux même pas les rattraper parce que je suis pas assez rapide. C'est un délire. Tiens, toi, tu vas servir à quelque chose. Là, ce qui est en train de me faire gagner, ce sont les troupes mercenaires, rien d'autre. C'est quand même terrible d'en arriver là. Bon, allez, au bout d'un moment, là, ils sont en plein milieu là. Là, je les rattraperai pas. Eux, ils ont pas fui, on va les emmener là-bas. Alors la cavalerie, j'en profite pour les faire charger par l'arrière. Très bien. Je te tiens. Vite, maintenant. Gardez la vitesse. Fonce bien. Ok, ça a fonctionné. On va refaire une charge pour ça. Je les divise en deux, comme ça, s'il m'accroche une troupe, bah il m'accroche pas les deux. Ça craint du boudin. La cavalerie quelque part ici. Presse, cavalier. Guerrier.
essayer de vous sortir de ce bourbier là les gars parce que... Ils sont rapides hein les cons. Hein. Là je vais essayer de vous aider. Ils ont une charge par l'arrière mais... Attends, par contre, hé, sérieux là? Quand je vous donne un ordre, ce serait bien de d'y obéir quoi. C'est bon? Ah non, c'est pas bon. Une charge. Hein. Non, ça se réveille, oui, non. Son général là qui est totalement plein de vie toute sa vie. Ouais, j'ai fait une bonne charge. Ok, j'ai une idée. Je retire le mode feu avant monter. Comme ça que je vais peut-être pouvoir gagner en vrai. Eux à ce qui paraît ils sont en train de courir. Bon. Permettez-moi de douter, mais pourquoi pas, après tout. Là, je vais me mettre en ligne pour lâcher les pilums. Une belle charge, s'il vous plaît. Cavalier noble, en avant. Aïe aïe aïe, c'est pas gagné. Ça va. Prêt pour la bataille. Guerrier. Guerrier. On va s'approcher un pouya. Je vais t'apporter de projectiles. Pas être particulièrement décisif même. Là je vais le faire charger. Chindé. Avant. Dans les autres projectiles. Si le feu a remonté. Là on lui a fait une charge par l'arrière. Avance comme ça, avance comme ça. Où je les accroche, où je les accroche. C'est passé. C'est pas gagné, hein. Ça dépend en grande partie de cette charge. Ne chargez pas
Lopez. Allez, mon général. Tiens, bon. Je te tiens. Je vais le faire sortir du corps à corps. La cavalerie de choc. Pas de la cavalerie de mêlée. Compliqué. Tout est compliqué. Tout est compliqué dans cette partie. Tout est compliqué. Point à rire. Et je vous dis, une fois, j'avais bien avancé la partie, on va dire, je devais être à 70-80% d'avancement, d'avancée au niveau des parties. Et là, gros bug dans la partie. Gros bug. J'ai su comment le résoudre, mais plus tard. J'ai pas fait attention avant. J'avais déjà sauvegardé, j'avais déjà perdu la sauvegarde, mais... Mes précédentes sauvegardes étaient corrompues aussi, en fait j'aurais dû remonter plus loin et j'ai cru bêtement que toutes mes sauvegardes étaient corrompues, alors que non. Attends, je peux libérer là? Ah ouais, bah attends, je libère. Je libère les Boyens. Ça me fera un état tampon. Il n'y avait pas plus de brosse? Enfin de... Ouais. Ils sont passés où? Vous êtes partis de l'autre côté? Ok, on va être aidé par les Boyens, donc ça fait qu'on va bien s'entendre avec eux, c'est cool. Simplement occupé pour éviter d'avoir trop de soucis d'ordre public, même si j'en ai quand même. Pas de maison de l'artisan, là on fera des enclos à chevaux. Et on va surtout faire du pain et des jeux. Hein. Faites beaucoup de jeux surtout. Mamma mia. Mamma mia. Oui. Non. Non, non, non. De toute façon, en plus, je les bloque, donc... Contrer les rumeurs. Bah, super. Moi qui me disais super, je vais avoir un peu de pognon pour pouvoir enfin faire quelque chose. Bah non. Que dalle. Que je peux ouvrir du commerce avec les Boyens. Non, parce que je suis totalement bloqué à ce niveau-là. Ah putain. Tiens, mais aller faire rejoindre ma confédération, mais. La City Royale en plus. Compliqué hein, tout ça. Mais bon, c'est pas si mal pour l'instant. En vrai, je m'en sors pas trop mal. Jusque là, on n'a pas trop à se plaindre. Les ombres sont des amis. Bon. Eh ben on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver demain pour le deuxième épisode, pour me voir encore une fois galérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bon, on s'en occupera. C'était Thiob. Ciao.